Aujourd'hui s'ouvrent les deuxièmes assises de la coopération internationale des collectivités malgaches et françaises. Pendant 3 jours, élus et techniciens, acteurs gouvernementaux, organisations de la société civile, chercheurs et partenaires techniques et financiers échangeront sur les projets de coopération décentralisée et aborderont les orientations à donner pour les prochaines années. La coopération décentralisée se présente comme une relation de territoire à territoire et représente à Madagascar 250 projets portés par 200 collectivités malgaches et françaises depuis 1994. Parmi eux, 9 projets de coopération décentralisée ont été filmés durant une année pour recueillir au plus près du terrain l'action des collectivités locales sur l'ensemble du territoire à Madagascar. Ces deuxièmes assises vont permettre un partage d'expériences et une capitalisation de compétences. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur la dernière décennie de coopération décentralisée et d'aborder, lors d'ateliers thématiques, les grands enjeux et défis à relever à l'échelle locale, régionale et globale. Cinq thématiques seront ainsi à l'honneur sous forme d'ateliers de travail durant lesquels Madagascar et la France espèrent des échanges fructueux pour le développement des collectivités malgaches et françaises.